Hello les amis, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bricolage de Noël, jour 9. Donc aujourd'hui nous allons faire ce bricolage-ci. Donc c'est un bonhomme de neige en bouchon. Donc je vais être obligée de vous dire le matériel. Donc bien évidemment il va vous falloir 3 bouchons blancs. Hop, il y en a qui tombe. 3 bouchons blancs. De la même grosseur, pour moi c'est des bouchons de lait, mais vous prenez les bouchons blancs que vous voulez. Ensuite, il va falloir un charpie noir, et ainsi qu'un charpie orange et un charpie rose. Mais moi j'ai pas de charpie orange et j'ai pas de charpie orange et rose. Donc je vais prendre des petits papiers brillants comme ça pour faire les éléments en rose et orange. Donc vous pouvez faire comme moi, vous pouvez prendre du papier normal si vous n'avez pas papier brillant bien évidemment. Donc vous pouvez modifier ce que vous n'avez pas comme dans tous les bricolages. Donc voilà, un charpie noir, rose et orange. Des ciseaux. De la colle chaude. Deux pompons de la même couleur. Donc c'est mieux si vous avez des tout petits. Mais moi j'avais pas des tout petits donc j'ai pris des un peu plus moyens. Et c'est préférable que vos deux pompons soient la même couleur que votre curpip, parce qu'il faut un curpip. C'est pour ça que moi, j'avais pas de curpip la même couleur que mes petits pompons. C'est pour ça que j'en ai pris des moyens. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur, mais je trouve que c'est plus beau si on prend la même couleur. Donc, je vais tout de suite commencer avec la première étape. Pour la première étape, c'est très simple. Vous allez prendre un bouchon que vous allez mettre comme ça. Donc ici, c'est le vide. Il faut bien mettre le côté plat. Et vous empilez ensuite comme ça. Et comme ça. Et vous collez tout ça avec la colle chaude. Voici le résultat une fois les 3 bouchons collés ensemble. Donc on en a mis un plat pour qu'il puisse tenir debout. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire avec les charpies. Donc pour moi je vais faire le charpie noir. Les 3 boutons, donc sur le premier bouchon vous faites 3 boutons et sur le deuxième bouchon vous faites 2 yeux et une bouche. Et si vous avez les charpies rose et orange, vous faites les petites joues roses et la carotte orange. Mais pour moi je vais utiliser du papier brillant. Voici le résultat une fois que j'ai mis avec le charpie, les petits boutons, les yeux et la bouche, et que j'ai collé le papier pailleté pour les joues et le nez. Donc ça donne ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire ses caches-oreilles. Donc pour ça, on va mettre un curpip sur à peu près la moitié de sa tête comme ça. Et on le colle. Et ensuite, on rajoute sur les extrémités des curpips les pompons. Et maintenant, je vais pouvoir, une fois avoir fait ça, vous montrer le résultat final. Voici le résultat final. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!